Merci pour cet auteur. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui passe. Et bien sûr, j'ai connu ce monsieur dans l'Ofer Navas. Pour ceux qui ne savent pas l'Ofer Navas, c'est dans le département des Timbwe. Donc la zone Ombwe, Ongenjo, Congo, Batanga, Asewe. Et vous pouvez continuer jusqu'à dans la zone de Congo. Oh, je ne parle pas de Congo. Omparo, là où mon papa avait son village. Et vous partez sur la zone de Wangawangé avant d'arriver à Ombwe. Et vous continuez sur Odimba. Tout ceci, on l'appelle Ofer Navas. Rembonkomi, c'est le nom original. Merci donc, vous avez écouté l'auteur, et je l'ai toujours expliqué dans toutes les chansons, que Miekoko, c'est l'appel. Mais
Mie Coco, ici, je l'utilise beaucoup plus dans le contexte bien clair et précis. C'est celui de sensibiliser la jeunesse gabonaise, africaine de manière générale, et en particulier la jeunesse gabonaise parce que c'est là où je suis originaire. Et je vous informe que tous ceux qui me suivent depuis 2018, en dehors de lorsque j'ai commencé dans la politique 2016 lors de cette élection de M. Ping, 85% des gens qui me suivaient, c'était le Gabon. Mais dès 2018, quand j'ai vu la réalité que nous avons tous vécue, le plan B et C, malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Donc en 2018, j'ai commencé à montrer au public une autre partie de moi-même, mais qui en réalité c'est ça, ce que je suis. Je suis un initié des grands mystères. Révéler cela au public peut sembler peut-être compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait cela par souci de pouvoir sauver la jeunesse. Qu'est-ce qui m'a amené là? C'est que après mon parcours politique de 1989 jusqu'à 2002, précisément de 1996 où j'étais élu, mais avant cela j'étais actif. Bref, vous connaissez mon histoire, mon passé, mon parcours politique. Je ne vais pas revenir là-dessus. Juste pour vous dire que durant ce temps, je faisais ceci, mais en privé. Et je me suis dit, arrivé aux États-Unis avec la technologie, pourquoi ne pas mettre ceci à la portée du public? Donc, je choisis la jeunesse, pourquoi? Mais parce que la jeunesse cherche la vie facile. Vous ne pouvez pas vous imaginer des centaines, voire des milliers de jeunes qui me contactent pour trouver, leur aider à trouver des voies et moyens pour s'enrichir vite. Certains qui me demandent à pouvoir pactiser avec le diable. D'autres qui me demandent comment je peux les aider à rentrer dans les loges maçonniques. Bref, la jeunesse cherche la vie facile pour réussir. Ils ne savent pas que la vie, c'est aussi un long parcours. Certes, ce qui a fait de moi ce que je suis, c'est non seulement un accident de parcours, pas du tout. J'ai plutôt suivi l'école de la vie, d'abord. Et je joins l'école de la vie à l'école conventionnelle, c'est-à-dire l'école que vous appelez les connaissances scolastiques, donc l'école des Blancs. Et c'est ainsi j'ai allié donc les connaissances du village et les connaissances des Occidentaux, et notamment le yoga que j'ai embrassé. Le monde des arts martiaux également m'a ouvert des portes. Alors, je me suis dit en 2018 qu'il est grand temps que je puisse créer cette chaîne de lutte des Tétans avec le Tout-Puissant. Pourquoi? Mais parce que justement, la jeunesse se perd. Rares sont ceux qui arriveront, atteindront même mon âge, aller au-delà de 60 ans. C'est plutôt nous qui enterrons nos enfants. Pour cette raison, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je découvre que finalement, nos enfants sont pressés. D'où j'ai mis en place. Comment dire, ce programme-là, c'est un programme où j'aide la jeunesse à venir écouter, à venir participer au cours de séminaires, rejeter ce qui n'est pas bon pour eux, prendre ce qui est bon pour eux. Pour ceux qui sont nouveaux, qui me suivent la première fois, allez-y suivre ma vidéo intitulée Ma biographie, la biographie de M. Vandelin Onouvier, qui est mon nom sur l'acte de naissance. Vandelin Guy Onouvier. Donc, par souci d'aider la jeunesse pour qu'ils viennent non seulement à la source, revenir chez eux à la source. Cet appel, aujourd'hui, je vous dis, avant 2018, je n'avais jamais vu aucun jeune être sur ma Facebook ou TikTok en train de vulgariser nos rites et traditions, notre culture. Je ne dis pas que c'est moi le premier à avoir lancé l'alerte. Mais je crois que beaucoup se sont inspirés de moi. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans cette aventure mystico-spirituelle et intellectuelle.
Et aujourd'hui donc, ce qui m'amène vers vous, c'est de vous parler de trois organes très importants. Et ces trois organes sont situés dans lobés à l'intérieur de notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui sont nouveaux dans mes enseignements, vous allez faire l'étude de comparaison entre ce que je dis et ce que d'autres écoles disent, que ce soit des écoles africaines, orientales ou occidentales. Et comme je vous l'ai dit, l'avantage que j'ai, c'est parce que de 1974 jusqu'en 82, je me suis initié très tôt dans les grands mystères des Occidentaux. Les yogas de toutes formes. Mais le yoga où je me suis beaucoup plus lancé, c'est le yoga tibétain, que je pratique jusqu'à ce jour. Car ce yoga tibétain est beaucoup plus proche de nos techniques anciennes qui étaient pratiquées dans le temple de Saïs, dans l'Égypte antique. Ce grand temple Saïs où exerçaient librement Isis, Osiris. Et vous connaissez l'histoire. Les dieux qui partaient de l'Atlantide pour se retrouver vers l'Égypte. D'accord? Mais je ne vais pas aller là-bas. Donc ces connaissances-là, je les puise de là. Le yoga tibétain vient de là-bas. Ensuite, je me suis lancé dans le yoga purement hindou qu'on appelle Hatha Yoga, que je pratique jusqu'aujourd'hui, ce qui fait que c'est ce qui me maintient en bonne santé. Le Hatha Yoga, c'est simplement une combinaison de asanas, de mudras, donc c'est des postures, des gestes, des symboles. Parce que tout geste que vous faites vous connecte. Il y a une vidéo où j'explique cela ici. Il faut faire très attention aux gestes que vous faites. Car ces gestes pour vous connecter soit avec des démons ou avec ce que vous appelez des anges. Mais je ne suis pas contradictoire car il y a un enseignement où j'explique qu'en réalité les démons, ça n'existe pas. Le diable n'existe pas. Ce sont les hommes qui ont créé les démons, ce sont les hommes qui ont créé le diable. Ça, c'est un chapitre que je traite également ici. Mais dans l'entendement général, la conscience collective terrestre s'accorde sur ces croyances-là. Et vous savez que par phénomène grégorique, toute forme de croyance, la somme de toutes les croyances conduisent à la marche et à la création des égrégores. Ces égrégores sont des entités. Et c'est ainsi que donc, dans ces études que je pratique, enfin les études que j'ai faites et j'ai expérimentées, parce que pour faire une étude, vous observez les gens qui vous enseignent, j'ai plus le temps d'observer. Donc, de 1974, par mon grand-père qui m'a mis dans certains milieux. Ensuite, en 1978, j'embrasse le yoga. Et de 1978 à 1982, quelque chose se passe. Et je reçois des révélations que je suis à ma troisième incarnation consciente. Et j'ai déjà expliqué ça dans plus de quatre vidéos. Ceci donc étant veut dire que je n'étais pas surpris comment tous mes sept chakras se sont mis en éveil, en intra-corps. Certains parmi vous peuvent vivre l'expérience qu'au bout d'un an, les chakras se réactivent automatiquement. Mais attention, ça veut dire que vous êtes un initié qui sait et qui a été déjà dans cette école. Vous n'êtes pas en Inde là-bas, mais c'est ici, en Afrique, quelque part, au sein de votre famille, vous étiez déjà quelqu'un qui était branché. Mais l'âme à l'intérieur, votre divinité, eh bien, commence à vous faire sortir ces petits souvenirs. C'est pour cette raison, ne soyez pas surpris que lorsque vous allez rentrer dans une école, les choses se passent tellement trop faciles pour vous, au point où les autres disent, mais ce n'est pas possible, vous êtes un génie. Mais vous étiez là d'abord. Sauf que ce nouveau corps qui vous est adapté, surtout au niveau du cortex, donc, on en parlera tout à l'heure quand je vous parlerai de ces trois organes-là. Au niveau donc du cortex, le souvenir est enfoui. Parce que c'est le cortex. Selon vous dit que quand quelqu'un meurt, quand il est cliniquement déclaré mort, en réalité, la première chose qu'on s'assure qu'elle est morte, c'est le cerveau. Le cœur peut s'arrêter. Mais souvent, comme dans les villages, on n'a pas cette connaissance, quand on voit quelqu'un, le cœur s'est arrêté de battre, on touche ici, c'est fini.
il n'y a plus de signe de vie, oh là là, il est mort, alors que le cerveau vit encore. C'est pour cette raison que vous assisterez dans les hôpitaux, on met les gens sous oxygène. Votre humble serviteur, j'ai été pendant 2 fois, puisque j'étais déjà parti. On m'a mis sous oxygène, ce qu'on appelle, ici aux États-Unis, on m'avait mis sous ventilation. Et j'étais parti pendant 3 semaines. Mais parce que mon cerveau était encore en vie, il a fallu faire tous les moyens pour que mon cœur, pour que je revienne et que mon cœur commence à donner. Alors, c'est ça, ces phénomènes, donc, pas des expériences que j'ai vécues personnellement, et pas des initiations que j'ai reçues ça et là, surtout les initiations que j'ai classifiées sous le nom d'initiation douce. C'est de ça dont nous allons parler. Donc, dans cette initiation douce, aujourd'hui, je vais vous parler justement de ces 3 organes-là, qui sont liés avec 3 chakras parmi 7 chakras. Les chakras, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez vérifier, ce sont des centres ou des réservoirs d'énergie. Mais ces réservoirs d'énergie-là, on les remplit. Et comme je le disais, pour certaines personnes, ça se réveille vite. Et pour moi, c'est en 82 que le réveil et l'alignement des 7 chakras s'est mis en marche. Mais malheureusement, comme je l'ai dit dans un enseignement, ces 7 chakras-là, il y a certains qui vous font des caprices. Et j'ai identifié 3 de ces chakras. Et quand je les identifie, c'est par rapport à l'observation, le travail que je fais sur moi-même, l'expérimentation, c'est-à-dire que je suis rentré au laboratoire de l'expérimentation. D'accord? Donc sur les 7 chakras, nous avons le tout premier qu'on appelle le chakra racine, Sahasrara, qu'on appelle dans le langage sanskrit, devenu hindi. Mais le hindi prononce ça d'une autre manière. Mais dans le langage écrit sanskrit, qui est la première langue vivante qui vit, enfin, dans certains vieux documents, vous verrez par exemple l'Avendabhishta est écrit dans cette langue sanskrit. Vous verrez que dans l'hindouisme, c'est du sanskrit. Le fakirisme, c'est du sanskrit. Bref, là-dedans, donc, on nous parle de Sahasrara. C'est le premier chakra. Ce premier chakra donc se situe à la base de votre appareil génital. Donc, c'est surtout au niveau de la partie pelvique, donc notamment ce qu'on appelle le coccyx, au niveau de la base, entre votre arrière où vous dégagez les matières fécales et là où est connectée la zone pelvienne pour vous permettre d'avoir votre appareil génital d'être en forme, vous laissez lever. C'est à ce niveau-là où se trouve le premier chakra. Donc, ce premier chakra, en un mot, on le dit qu'il est là au niveau du sexe. Ensuite, nous avons l'autre qui le suit à quelques centimètres au-dessus du nombril. Nous avons le troisième qui est le chakra qu'on appelle le chakra solaire. Donc, il y a le chakra tout premier à la base. Il y a le chakra mésentérique, il y a le chakra solaire, et nous avons le quatrième chakra qui est le chakra cardiaque. Et le cinquième qui se trouve quelque part au niveau de la gorge. Et le sixième qui se trouve ici, entre nos 2 yeux, au niveau de l'épiphyse. Et le septième se trouve au-dessus de notre tête, on l'appelle le chakra de la glande pinéale. Donc depuis la base, à la moelle épinière, c'est là où se trouve le premier chakra. Vous êtes d'accord? Vous comprenez donc que tous ces chakras-là forment des bols. Mais ces bols se forment à partir d'une somme d'énergie. C'est-à-dire que à chaque chakra, il y a une forme d'énergie qui se trouve à l'intérieur. Mais maintenant, il y a des techniques secrètes que certains j'ai dévoilées au public qui vous permettent de remplir ces centres d'énergie-là dans les différentes zones que je viens de citer. Par exemple, au niveau des arts martiaux, nous avons identifié que le plexus solaire, entre le plexus solaire et le chakra solaire, voulais-je dire, le chakra qui se trouve au niveau du plexus solaire et le chakra mésentérique, donc juste en dessous, légèrement en dessous du nombril, c'est là où se trouverait être ce qu'on appelle le ki. Chez nos amis chinois, ils ont un art martial interne et en même temps médical, énergétique, technique
d'énergétisation qu'on appelle Qigong, Qigong. Et cette technique s'allie bien sûr à une autre qu'on appelle le Tai Chi Quan et le Tai Chi Chuan. Parce que le Tai Chi Chuan, le Tai Chi Quan, c'est deux techniques et deux écoles différentes au niveau de la Chine. Vous discuterez avec ceux qui sont dans le monde des arts martiaux chinois, ils vous en diront plus. Moi, je pratique les arts martiaux chinois seulement depuis 1990. Mais dans cette pratique, je me suis beaucoup plus intéressé au Qing Kong, King Kong. D'accord? Les Chinois, ils diront Qing Kong. Et dans certaines littératures américaines et françaises, puisque j'ai reçu beaucoup de formations et des stages auprès des experts, des vieux Chinois qui se sont installés ici et qui vous diront que c'est King Kong. C'est-à-dire K, plutôt Q, I et Q-O-N-G. King Kong! Et par contre, pour dire simplement que c'est là où se trouve la force de l'homme. Et que c'est là, lorsque vous maîtrisez et la respiration et la concentration, et que vous maîtrisez également votre appareil génital, l'énergie qui résulte des activités sexuelles, si vous maîtrisez ces trois forces-là, vous allez être immortel. Pas dans le monde des mortels ici, mais dans le monde des immortels. Et aussi, vous aurez la chance de vivre longtemps. Voilà pourquoi vous verrez que la plupart des grands maîtres des arts martiaux, c'est des mecs qui sont restés célibataires toute leur vie, n'ont même pas connu de femme. C'est cette raison-là, parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour cela. Mais de nos jours, il y a des gens qui ont des enfants, moi-même qui vous parle, j'ai cinq, voire même plus. J'ai des petits-enfants. Mais le réveil de mes chakras, je l'ai eu avant d'avoir les enfants. Parce que mon premier enfant, c'est dans les années 90. Dieu merci, c'est en 90. Et le tout dernier, c'est en 99, là, 2000, l'an 2000, le tout dernier. Donc, c'est pour vous dire que il est très difficile de pouvoir réveiller ce chakra lorsque vous avez déjà commencé à faire la vie. Donc, je vais voir avec vous, donc, les trois organes-là qu'il faut le plus maintenir. C'est ainsi que donc le thème de notre enseignement ce samedi soir sera sur trois organes qu'il faut surveiller le plus et faire le mieux de pouvoir maintenir. Car ce sont ces trois organes qui nous jouent beaucoup de tours. Ou encore trois organes qui correspondent à trois chakras précis parmi les sept. Les quatre autres n'ont aucun problème. Parce qu'imaginez-vous que vous traversez toute la colonne vertébrale du bas vers le haut. Le réveil des chakras ne se passe jamais du haut vers le bas. Même quand vous appelez dans la technique kabbalistique, depuis Keter jusqu'à Malkout, le processus d'appel de Keter vers Malkout, c'est simplement déclencher le processus de Malkout pour monter vers Keter. C'est ça l'objectif. Vous appelez l'énergie pour créer le flat lux, car tout part du bas vers le haut. Même lorsque vous assistez à la création, la fameuse Bing Bang qui s'est passée dans un silence absolu, l'être suprême se met à se concentrer pour pouvoir créer la création. Il pensa, il créa un bol d'énergie en lui-même, au centre de lui-même et au centre des univers. Et là, la somme importante de toutes les énergies qu'il concentra vers lui va créer une explosion. C'est l'accumulation de cette énergie qui va créer finalement le fameux Bing Bang. Va créer la matière. C'est par l'accumulation de vos pensées au niveau du corps mental, en puisant à partir de certains réservoirs d'énergie que vous avez en vous, c'est-à-dire à partir de certains chakras, que vous pouvez créer quelque chose. Je vous l'ai appris dans une école de la morgue, Rose-Croix Morgue, où j'étais jusqu'au grade de maître. Nous avons une technique à partir du deuxième, troisième degré seulement. On vous apprend comment, à travers les sons, vous pouvez tuer ou vous pouvez guérir. On appelle ça la magie des voyelles. Donc, à travers les sons des voyelles bien précis, vous pouvez les utiliser. Ces voyelles servent pour. Toutes les voyelles servent à la guérison, à l'harmonie et à la paix. Il n'y a pas que la rose-croix morgue. Dans les écoles tibétaines, on me l'a appris également. Dans certaines écoles africaines, par exemple auprès de mes frères du Ghana, on m'a appris cette technique. Que la répétition de certains sons des voyelles déclenche la guérison. Vous verrez dans certaines sociétés secrètes, profondes, même de chez moi au Gabon,
Quand la personne opère une guérison, c'est souvent les sons qu'ils émettent. Vous n'entendrez pas un seul son où il y a comment dirais-je, où il y a des consonnes dedans. Tout ce qui entraîne la consonne entraîne à la destruction. Regardez même au sein des églises dites éveillées, que je ne crois pas du tout. C'est des mecs qui font du spectacle. La fameuse prière en langue, allez-y voir. Ils utilisent toujours des consonnes. Or, la consonne est synonyme de destruction. La consonne sert dans le monde mystico-spirituel à détruire. Ça, c'est selon les techniques du Tao que j'ai appris dans la magie du taoïsme. Et même auprès de nos frères japonais, la lettre K sert à détruire. Vous connaissez le fameux kiai. C'est un son qui sert à détruire. Mais qui part du ki. La guérison part du ki. Qigong, ça part de là. Ça part de là. Donc, qu'est-ce qui crée, en fait, pourquoi, par mes petites expériences, vous pouvez demander à tout expert du pranayama yoga ou du kundalini yoga, c'est à leur demander. Est-ce que ce que je dis est faux ou vrai? Vous leur présenterez cette vidéo. Est-ce que c'est vrai que parmi les sept chakras, il y en a trois qu'il faut surveiller le plus et faire un grand travail? Je vais vous dire comment. Mais parce que justement, entre le premier chakra au quatrième chakra, il y a un pont. Mais c'est un pont qui ne nous crée pas trop de dommages. Parce que la fortification de ces trois chakras qui sont entre le premier et le quatrième dépend de la maîtrise et de la force qu'on va mettre au niveau du quatrième chakra et du premier chakra et le troisième et le sixième chakra. C'est un peu un schéma que je vais vous faire rapidement devant vous, si vous me permettez. Le schéma du pont. Il n'y a rien dedans, mais je dessine ça devant vous. Voici un pont. Il y a une première poutre qui prend racine à partir de quoi? De l'autre côté pour traverser la rivière. Et bien, tellement le pont est long, c'est peut-être un pont de 1 km, ils ajoutent deuxième poutre, troisième poutre, et souvent il y a une quatrième poutre qui sert de centrale. Bon, moi, j'ai trop utilisé tout le papier. Bon, disons, je vais mettre ça un peu plus petit. Donc, premier chakra ici, c'est le premier pont. Deuxième, troisième, quatrième, quatrième, cinquième, sixième et septième. D'accord? Donc, ici, nous avons 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous voyez que c'est un peu à l'envers par rapport à l'écran. Voilà. Voilà comment ça se présente. Mais ce qui nous intéresse, il y a un qui est au centre. Vous voyez bien? Il y a un qui est au centre. Comptez bien. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Sur les sept chakras. Déjà là, vous apprenez quelque chose, que le chakra qui crée l'équilibre entre le premier chakra et le septième chakra, c'est le quatrième. C'est le chakra cardiaque. Pourquoi? Mais parce que vous êtes bien au courant que le cœur, en dehors de tout le rôle que nous connaissons, je ne vais pas vous amener dans la science, le cœur joue un rôle très important au sein de notre organisme. Dans certaines vieilles traditions, et même dans la vieille médecine, jusqu'à ce jour, il est admis que le cœur est considéré comme le centre, est considéré comme le foyer, est considéré comme le milieu.
du corps de l'homme. C'est le cœur qui sert à pouvoir, qui sert de pont de notre organisme. Je le répète que dans certaines traditions, jusqu'à ce jour, renseignez-vous, le cœur est parfois appelé le centre, le milieu, même le foyer. C'est le foyer central de tout. C'est pour cette raison que quand quelqu'un meurt, quand le cœur s'arrête, qu'est-ce qui se passe pour tout le corps? En dehors du cerveau. Voyez-vous? Alors, c'est dire que, un, parmi les trois organes que j'ai choisis, qui correspondent à trois chakras dans notre corps, et je vous ai déjà, à plusieurs enseignements, rappelé le rôle de chaque chakra. Le premier chakra qui est le chakra racine, c'est celui à partir duquel où il faut commencer à faire un grand travail au niveau de votre appareil génital. Car c'est de là où le feu se crée. C'est là où on active le feu. Quand vous activez le feu à ce niveau, veut dire quoi? Tout simplement, vous devez vous abstenir des activités sexuelles, vous devez surveiller tout ce qui est émotion, tout ce qui est attraction, distraction, tout ce qui a rapport avec le sexe. Vous connaîtrez des érections très fortes, tout, ça peut vous entraîner à vouloir brûler cela. Et quand vous observez ces érections, j'avais expliqué dans un enseignement que ça peut durer des mois comme ça, indépendamment de votre volonté, hein, vous êtes vierge, vous êtes marié, mais indépendamment. Et même vous avez demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Des érections qui peuvent même vous mettre indisposé. Ça, c'est le réveil. Ça veut dire que, mais ça ne se passe pas seulement si vous n'avez pas fait un travail. Ça ne peut pas se passer pour quelqu'un qui n'a pas commencé un travail spirituel. Et je vous avais dit que le travail qui permet le réveil de ce feu-là, c'est, il y en a trois. Ce sont les techniques de respiration. Ce sont les techniques de méditation transcendantale. Ce sont les techniques de les ascèses. Il y a des ascèses initiatiques que vous devez surveiller. L'observation. Il faut faire la technique d'aspiration et d'inspiration. C'est-à-dire la connexion avec les ancêtres, la connexion avec les génies. C'est ça, ce qu'on appelle aspiration. C'est aller vers eux par la pensée, constamment. Il arrivera un moment que vous vous mettrez, donc vous ouvrez vos antennes. Et c'est ainsi que vous allez vous mettre en phase d'inspiration. Inspiration veut dire retour vers ou bien descente ou réception. D'accord? C'est cela qui réveille ce premier chakra-là. Accompagné des techniques de respiration. Il y a trois formes de respiration, mais ici je parle de la troisième forme de respiration. C'est la respiration abdominale. Avec les respirations d'un côté nasal, de l'autre côté nasal, pendant un certain nombre de fois, ça commence par 12. 12, vous montez à 24, 24, 32. N'allez pas au-delà de 32, vous pouvez mourir. Mais ça, ça demande un suivi. Ce sont ces techniques de respiration-là, accompagnées des techniques des ascèses que vous devez surveiller. Voilà comment on réveille ce premier chakra. Bon, bref, j'explique déjà tout ça dans nos enseignements. Je peux vous rappeler que le réveil de ce chakra, ça ne se passe pas n'importe comment. Et quand vous appliquez donc l'ensemble de toutes ces techniques-là, c'est ce qui fera en sorte que ça va créer finalement ces énergies-là. Parce que vous allez commencer à vous priver des femmes, vous priver de ceci, vous n'allez plus trop parler, vous observerez des choses. Vous allez vous mettre à analyser les rêves, la technique de rétrospective, les techniques du silence et tout. N'est-ce pas? Ne pas manger n'importe quoi. Et tout cela va réveiller. Surtout l'observation des ascèses initiatiques. Et les techniques de respiration et de méditation. Et accompagner des prières pour ceux qui sont religieux. D'accord? Une fois ceci est fait, vous verrez que naturellement, le deuxième chakra, le centrique, le troisième au niveau solaire, vous aurez commencé à voir, à vivre des expériences bizarres. Et ces expériences, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus, où vous êtes en connexion avec les ancêtres, vous allez maintenant au royaume des morts, des bilocations inconscientes, sans forcément faire la technique de sortir en vampire, à faire machin. Ça viendra tout seul. Maintenant, quand vous arrivez au quatrième chakra, c'est ce chakra qui va vous permettre maintenant de lire les pensées des gens. Vous allez vous mettre dans la peau des gens. C'est là. Le troisième chakra, c'est là où vous aurez les oreilles qui vont faire des pam pam à chaque fois. Vous aurez l'impression que l'oreille bourdonne, vous avez des appels qui viennent je ne sais d'où. Ne répondez pas d'abord, mettez-vous à ces appels-là. En fait, ce sont les esprits qui commencent à s'intéresser à vous. Je le répète que tous ces chakras qui font ce genre de phénomène, c'est parce que vous avez commencé le travail qu'on appelle, vous commencez à débrousser le chemin. Vous commencez donc à ouvrir le chemin. On appelle ça technique d'ouverture du chemin.
Ça, c'est moi qui le dis. Les Tibétains qui m'ont appris cela ont donné un autre nom. Moi, je n'ai pas utilisé leur terminologie. Et le quatrième, donc, chakra, c'est votre cœur. Et comme je disais que le cœur, c'est quoi? Il fournit le sang pour vivre, n'est-ce pas? Le cœur fournit le sang pour vivre. Le cœur envoie le sang en oxygène dans l'organisme. Le mauvais sang, il part vers les poumons et le bon sang va dans l'organisme. Voilà le rôle du cœur. Il est là pour jouer ce rôle-là. D'où, autour du cœur, vous avez ce qu'on appelle les poumons. Et autour des poumons, il y a ce qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Ce sont ces alvéoles pulmonaires qui nous protègent contre les pollutions, là. Pour nous qui sommes aux États-Unis, surtout quand il fait froid, on n'a pas d'arbres. Maintenant que les arbres sont là, tant mieux. Ou bien si vous vivez dans un milieu trop pollué, ce sont vos alvéoles pulmonaires qui vont encaisser cela. Les gens qui fument trop, ben vous verrez que vos alvéoles pulmonaires deviennent maintenant imperméables. Deviennent imperméables, vous voulais-je dire. Parce que ça n'aura plus la force de résister à la nicotine, la fumée et tout, les mauvaises odeurs et toutes ces pollutions. Je ne vais pas aller là-bas, juste pour vous dire scientifiquement que le corps joue déjà ce rôle de pouvoir pomper le sang vers l'organisme et le mauvais sang vers les poumons. Et le poumon sous couvert des alvéoles par votre respiration. Et c'est là où on arrivera maintenant au rôle de ce troisième chakra, qui est le sixième chakra, en fait, au niveau de votre mental. Parce que la respiration se connecte avec l'épiphyse. Or, l'épiphyse, c'est le sixième chakra, et qu'on appelle dans d'autres enseignements le troisième œil. Donc, le premier œil, c'est votre sexe, le deuxième œil, c'est votre cœur, et le troisième œil se trouve entre les trois yeux. S'il faut donc créer un peu cette compréhension de la sorte. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait un enseignement là-dessus. Les trois yeux que nous avons. Le premier œil, c'est le sexe. Et le deuxième œil, c'est le cœur, à travers lequel Dieu nous regarde et nous le regardons et il nous parle. Et le troisième œil, c'est ce troisième œil qui est là, au niveau de l'épiphyse. Alors, le cœur qui joue ce rôle, comme je l'ai dit, c'est lui qui envoie le mauvais sang vers les poumons, c'est lui qui sert de centre de foyer, c'est lui qui permet cet équilibre-là, et c'est lui le pont entre le sexe et le cerveau. Les battements de cœur, par exemple, les rythmes cardiaques de votre cœur dépendent de vos émotions. Oui. Le battement de votre cœur, là, dépend des émotions et des pensées. Mais les pensées et les émotions partent aussi du premier œil. Qu'est-ce qui déclenche que le premier œil soit distrait? C'est lorsque, par exemple, vous voyez les femmes qui passent, un homme ne peut même pas rester sans regarder. Commencez à regarder les fesses, commencez à regarder les seins. Là, c'est le premier œil qui vous fait ça. Le deuxième œil qui est le cœur, donc quatrième chakra, au niveau du quatrième chakra ou troisième organe, il va commencer à avoir ce qu'on appelle des palpitations. Mais c'est ce rythme cardiaque-là qui peut vous influencer et par la suite vous créer une chaleur au niveau de la tête. Car la tête, maintenant, à son niveau-là, va créer des phénomènes au niveau diencéphalique. Parce qu'au niveau diencéphalique-là, nous avons deux organes très importants. Le thalamus et l'hypothalamus. Vous connaissez le rôle de ces derniers parce que ce sont eux, en fait, qui sont là à jouer un rôle important pour notre état subconscientiel. En fait, c'est au niveau de l'hypothalamus où les neurones transmetteurs qui sont sous le contrôle du cortex, hein, pour pouvoir permettre les neurotransmetteurs de jouer leur rôle à travers les cinq sens du corps. Donc, ce qui fait que si votre premier œil qui est situé au niveau de votre appareil génital se met en branle, les neurotransmetteurs vont automatiquement, il y aura une surexcitation. Or, la surexcitation part de votre vue. Pour cela, j'ai dit dans mes enseignements toujours que c'est de l'environnement direct et indirect que vous êtes affecté, soit positivement ou négativement. D'où ma recommandation de pratiquer le yoga qu'on appelle, la technique de méditation qu'on appelle la méditation des contemplations, ou Bhakti Yoga. C'est ça. Donc, par cette technique et la maîtrise du Bhakti Yoga, ou le yoga de la contemplation, vous allez regarder cette la femme, mais vous pouvez inverser le rôle. Au lieu de la garder dans le point de la désirer, comme le Jésus des chrétiens avait dit, non, c'est lui qui regarde la femme seulement avec les yeux, là, comme l'adultère. Mais cet adultère part du fait que vous allez vivre ces expériences-là. Chaleur au niveau de la tête, surexcitation, et vous verrez même que votre premier œil va commencer à se mettre en branle, comme je le disais, pour ne pas être grossier, on est des adultes, ça veut dire que vous aurez maintenant envie. Mais cette envie est provoquée par quoi?
ce que vous avez regardé. Mais le regard, les yeux sont où? Au niveau de la tête. Mais la tête est contrôlée par quoi? C'est au niveau de l'état diencéphalique. Mais au niveau de l'encéphale ou le diencéphale, il y a l'hypothalamus et le thalamus qui sont liés directement avec l'état subconscientiel. Donc, ce qui crée les émotions, état sympathique et antisympathique, et vous mettre dans un état calboigné. Je suis peut-être allé trop loin. Je repars doucement. L'organe numéro, j'ai déjà parlé du cœur, son rôle. Et dans le plan mystico-spirituel, il est connecté avec le corps astral. En fait, c'est le cœur spirituel et l'épiphyse. Comme je l'ai dit dans un enseignement, que c'est au niveau de l'épiphyse, donc au centre du troisième œil et du deuxième œil, qu'est votre cœur, c'est là où se trouve le siège de votre âme. Ce qui fait que dans le plan spirituel, les émotions que vous émettez, parce que c'est à partir du cœur que ces émotions résultent soit des contacts directs ou indirects, donc de l'environnement direct ou indirect. Mais bien sûr que le cerveau, je vous ai dit qu'il joue le rôle de satellite. Et que dans certains enseignements dont je parlais du KMOS, l'étude du cerveau par la technique de la méditation selon votre orientation spirituelle, passe par la maîtrise de cinq organes à l'intérieur du cerveau, parmi lesquels il y a l'épiphyse, il y a l'hypothalamus et le thalamus, et qui doivent bien contrôler, et sous couvert de vous-même, par votre volonté, par votre entraînement, contrôler les deux aires-là, l'aire sensorielle et l'aire extrasensorielle. Parce que l'air sensoriel, dès lors que vous avez maîtrisé sa part, le contrôle de vos émotions, de vos pensées, évitez de parler trop, évitez d'être émotionnel, évitez d'insulter, ce qu'on appelle les commandements là, quoi, c'est-à-dire les ascèses initiatiques. Car ces ascèses initiatiques là, ce sont elles qui vont créer une surexcitation énergétique, une surmontée des énergies en vous. Et j'ai appelé ça un réservoir qui est plein. Donc votre réservoir au niveau des ondes électromagnétiques, au niveau du système nerveux central, par le contrôle donc de tout cela, système neurovégétatif, c'est là où se trouvent nos chakras. Donc, à la fois que vous observez ces principes de la vie, vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez les désirs, vous contrôlez vos colères, vous contrôlez vos paroles, vous contrôlez vos actions, vous gardez le silence, vous ne serrez pas les mains aux gens, vous ne fréquentez pas n'importe qui. Vous ne buvez pas n'importe quoi, vous ne mangez pas n'importe quoi. Donc vous devenez un homme nouveau. Celui dont parle Paul dans le livre de Galates chapitre 5. Mais quand vous rentrez dans cette catégorie de l'homme de Galates chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'à 19, lisez bien le descriptif. On nous dit quoi? Vous répondez maintenant sur les neuf fruits de l'esprit dont parle la Bible. Là, je m'adresse maintenant aux chrétiens pour ce qui est de l'étude qu'on appelle la mystique chrétienne. Dans la mystique chrétienne, on vous apprendra la maîtrise de ces choses-là. Mais quand vous allez maîtriser les neuf fruits de l'esprit, là, ça peut réveiller vos chakras également. Donc, le cœur est très important, comme je vous l'ai dit. Voilà, il est au centre. Voilà votre cœur qui est au centre des trois premiers chakras et des trois prochains chakras. Il est au centre, c'est le cœur. Ça, là, vous n'allez lire dans aucun livre, en dehors du mien, qui est déjà préparé. Même les hindous, ils ne vont pas vous dire ça. C'est moi, c'est mes observations, comme je vous l'ai dit tout au début. Donc, maintenant au niveau de la tête, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que le premier organe qu'il faut surveiller, qui vous fait beaucoup faille, c'est d'abord votre sexe. Quand vous ne le surveillez pas, pourquoi il faut le maintenir? Pourquoi il faut le surveiller? Parce que si vous ne le surveillez pas, vous n'allez pas progresser spirituellement. Vous n'allez pas progresser. Parce que la spiritualité, c'est le réveil de l'autre. La spiritualité, c'est un changement de comportement. C'est un changement de mentalité. C'est la naissance du nouvel homme. Or, ceci ne peut être possible si et seulement si vous rentrez dans les ascèses. Maintenant, le cœur, c'est la même chose quand vous contrôlez vos émotions et tout et tout. Souvenez-vous, je vous avais parlé du contrôle des trois corps, le corps physique, le corps mental et le corps astral. Mais ces trois corps, le corps physique, c'est lié avec votre sexe. Parce que c'est le sexe qui crée. Le sexe a le rôle de la création.
procréation, qu'à travers le sexe, qu'on crée la vie, n'est-ce pas? C'est à travers le sexe où Dieu vient nous rencontrer, puisque c'est maman qui est Dieu, c'est maman le temple, c'est maman, celle qui est la reine. Bref, alors, à ce niveau, vous comprendrez maintenant l'importance. C'est là. Maintenant, votre cœur, c'est la centrale. Les scientifiques le disent, hein, vous pouvez même aller vérifier sur Google, je n'ai pas eu le temps de vérifier. On appelle le cœur comme la centrale, le centre. Comme je l'ai décrit ici, voilà, voilà le cœur, c'est le centre. C'est le quatrième chakra qui est le centre des trois derniers, des trois premiers chakras. Parce que le premier, là, c'est compliqué. C'est dur. Après, vous arrivez au quatrième. Là encore, c'est tout. Et là, je ne vous parlerai même pas du septième. Le septième est le plus compliqué pour pouvoir se connecter. Parce qu'il y a encore d'autres épreuves. Ces épreuves qui se situent au niveau de vos déplacements mystiques dans le plan astral. Donc la tête. Le troisième organe se trouve au niveau de l'épiphyse, troisième œil. Donc ça s'appelle le sixième chakra. Le premier chakra, le quatrième chakra et le sixième chakra sont les trois chakras qu'il faut surveiller. Souvent, c'est au niveau de ces trois chakras, mesdames et messieurs, surtout chez les femmes. J'ai constaté cela. Parce que les femmes sont plus émotionnelles, les femmes sont plus éveillées spirituellement que l'homme. Ça, c'est reconnu. Je ne sais pas pourquoi on brime les mamans. Alors, c'est au niveau de ces trois chakras, je le répète, le chakra premier racine, le quatrième chakra, le chakra cardiaque, et le sixième chakra, qui est le chakra du troisième œil là. Ce sont ces trois chakras-là qu'il faut surveiller. Parce que notre vie est là. C'est ça le pont de l'homme. Le cœur étant le centre de cette poutre, parce que l'autre poutre, c'est la première, et l'autre poutre, c'est la septième poutre, et la quatrième poutre, c'est le centre de sept, parce que la quatrième poutre se trouve, divise bien, il est au centre, trois à gauche, trois à droite. La Trinité, vous verrez que la Trinité intervient dans tout et pour tout. Voyez-vous? Donc, maintenant, celui-ci, l'épiphyse, il joue le rôle sous couvert de votre corps mental. Il a un rôle très important qu'il faut surveiller parce que c'est à travers la tête où se passent beaucoup de choses. Je vous ai dit que c'est là se trouve votre Wi-Fi. Or, le Wi-Fi là peut être manipulé par n'importe qui. Il faut un mot de passe. Et ce mot de passe, je vous avais dit, c'est ce que j'ai appelé la clé USB. Cette clé USB qui part de votre subconscient au subconscient universel. Donc, il faut contrôler ce qui se passe au niveau de votre tête. Maintenant, comment contrôler, comment surveiller ça? Mais la surveillance se passe par le fait que vous êtes le gardien de vos pensées, le gardien de vos actions. C'est là où intervient le yoga que j'appelle, autant pour moi, la méditation que j'appelle la méditation de contemplation ou la méditation contemplative, Bhakti Yoga. Pendant que vous marchez, même étant au travail, vous observez, vous contemplez, vous analysez, vous gardez la connexion. Ensuite, il faut surveiller vos pensées. Ensuite, il faut faire la rétrospective. Parce que la technique, la rétrospective, la technique du rappel, du rêve que vous avez fait la nuit dernière pour vous rappeler durant la journée, avant de dormir, vous ramenez ce même rêve-là, vous l'analysez tout jusqu'à ce que vous ayez une compréhension, une clarté. C'est cela. C'est au niveau du sixième chakra ou troisième œil. Parce que vous ne pouvez pas mettre en éveil votre troisième œil si vous ne maîtrisez pas vos pensées. Et l'autre côté, toujours au niveau du troisième œil, il faut, en dehors des techniques de méditation constante, il faut également se mettre à faire ce qu'on appelle l'école analytique journalière. Analyser tout ce que vous avez fait. C'est proche de ce que j'appelle la rétrospective. Il faut aussi souvent créer ne pas tomber dans le piège de déprime, de tout, des anxiétés, des soucis inutiles. C'est là qu'il faut surveiller ça également. Donc, il faut trouver des mécanismes anti-stress. Et ces mécanismes anti-stress, c'est de mettre une musique appropriée, mettre une musique de chez nous. Et là, il y a une vidéo ici où je vous ai donné quelques extraits de musique classique que vous pouvez écouter. Ces musiques classiques-là vont vous calmer, n'est-ce pas, du bombardement atomique
hein, les pensées. Et là, allez-y sur mon enseignement sur les trois formes de pensées. Surtout les pensées conscientes qui sont des conversations d'un individu quelque part qui n'arrive pas à accomplir. Parce que nous parlons de deux façons. Nous parlons par le verbe, mais nous parlons aussi psychiquement. Et quand je rentre en contact avec les extraterrestres, ce que les humains appellent les extraterrestres, les êtres qui sont des autres planètes, eux n'utilisent pas le verbe. Quand je parle avec ce que vous appelez les anges, je n'utilise pas le verbe. Je communique avec eux par télépathie. C'est pour cela développer beaucoup ce langage de télépathie et télépsychie. C'est très important. Ces génies-là ne peuvent pas vous parler comme ça. Même les ancêtres. Il y a un niveau où, bon, vous allez peut-être parler, oui, je suis à vous présenter. Mais moi, je suis arrivé au niveau où je communique avec eux par télépathie. Et ils interviennent immédiatement. En vérité, je vous le dis. Ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Oh, je ne demande pas les gens de croire. Allez-y d'abord essayer. Si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux. Ça veut dire peut-être que vous n'êtes pas prêt ou bien il y a des choses que vous n'observez pas. Donc, je ne fais pas de bordel, arrive à 1 heure. Je vais conclure vite avant de la conclusion. De comprendre qu'au niveau de ce troisième chakra, pour le surveiller, je vous ai déjà donné comment on appelle l'arsenal de ce que vous devez faire. Méditation, concentration, surveillance de vos pensées, blâmer vos pensées, le calme du mental et le silence. Créez cela constamment. Faites le bilan de la journée. Surveillez vos paroles. Surveillez vos pensées. Troisième forme de pensée, c'est la pensée consciente. C'est-à-dire que les pensées qui viennent vous visiter, en fait, c'est quelqu'un qui parle quelque part. Ce sont vos parents qui sont en train de murmurer des choses contre vous. Vous aurez même la faculté d'avoir, de recevoir cela par le phénomène des ondes cérébrales. Souvenez-vous, je vous ai toujours enseigné que le cerveau fonctionne sur des ondes cérébrales. Bon, la troisième onde, là, c'est autre chose, ça, c'est avec Theta Mwanga. Mais au niveau du champ de conscience collectif, on fonctionne sur deux ondes, là, les deux ondes cérébrales, hein, Theta et Beta. C'est ça. Donc, quand le parent vous critique, ben, automatiquement, il y a un phénomène de télépathie qui s'établit, de télépsychie. Et vous, par phénomène télépathique, vous pouvez recevoir cela. Mais ceux qui sont entraînés ont cette faculté. Moi, personnellement, dès que la pensée vient, je dis, non, ça ne vient pas de moi, ça. Regarde-moi le salaud. Alors, je peux manipuler cette pensée, je la maintiens, elle n'est pas la mienne, mais si c'est une pensée qui me dit d'aller draguer la femme de quelqu'un, d'aller tuer quelqu'un, mais je vais remplir d'énergie cette pensée, la renvoyer brutalement vers l'auteur. C'est pour cela qu'on assiste à des bords bizarres, on appelle ça des poussons. Le mec était là, il ne pensait même pas se suicider, mais vous le trouvez, il est mort, il s'est suicidé. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ou après, on dit non, c'est l'ambiance qui règne dans le pays parce que M. Oligui ne se coupe. On accuse maintenant le président. Non. Ça rentre dans le monde de la métaphysique. S'il vous plaît, les séminaires, c'est important. Invitez-moi pour les séminaires. Il y a beaucoup de mystères. Vous verrez que les diables que les blancs sont venus vous créer là, le blanc ne croit pas aux histoires des diables. La preuve en est que voilà, il a créé des religions pour nous manipuler. Et ils sont décidés à venir nous recoloniser d'une autre manière parce qu'ils pensent qu'on est des incapables. Et puis, on continue à suivre ceux qui sont venus nous mettre en place. Ils profitent donc de cela. On continue à se borner, à attendre un Jésus qui va venir nous sauver. Pardonnez-moi, je ne veux pas être hors du cadre. Je conclue ceci. Aujourd'hui, donc, on pourrait tenir que les trois organes, en tant qu'initiés des grands mystères et surtout experts dans le prana et le kundalini yoga, eh bien, je partage mon expérience avec vous. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, des jeunes, vous êtes dans ces pratiques-là de pranayama ou de kundalini. Et j'ai vu beaucoup qui se plaignent. Oh, yo, j'ai mal au ventre. Oh, yo, ça ne va pas. Oh, moi, je ne sais pas. Mais vous continuez à faire les bésodromes, pardonnez-moi. Pas pour être grossier, mais c'est scientifique. Hein, nous sommes des adultes. Vous continuez à entretenir des activités sexuelles à gauche, à droite. Vous n'êtes même pas légalement marié. Et même si vous êtes légalement marié, est-ce que le partenaire ou la partenaire, elle est initiée dans la magie sexuelle? Parce qu'il faut être initié dans la magie sexuelle. Quand vous serez initié dans la magie sexuelle, vous saurez ce qu'on appelle la circulation de ces énergies, de vos deux énergies dans le plan cosmique et faire l'amour aussi dans le monde astral. Il faudrait que vous fassiez l'amour dans le monde astral et le faire dans le plan physique. Ainsi, vous n'aurez pas ce genre de phénomène. Donc, votre évolution des chakras va se passer de manière naturelle. Au contraire, le grand secret dévoilé par Lao Tzu et un autre grand savant là, dans le taoïsme, ils nous disent que la communion de l'homme et de la femme doit se passer à la fois dans le plan astral, tant dans le plan physique. Et maintenant, dans le plan physique, la femme a un réservoir d'énergie plus important que l'homme. Comme le disent les femmes,
Le maïs se moque de celui qui n'a pas les dents. Et chez le peuple Peul, on dit le sot, il faut en prendre soin, parce que souvent le sot meurt avant le puits. Parce que le peuple Peul, qui vivent dans le désert, souvent ils puisent l'eau, font là-bas avec le sot. Donc il faut prendre un sot solide. C'est ainsi que tout ce langage allégorique veut dire tout simplement que normalement, la femme, elle a plus de résistance. Donc rassurez-vous que même quand vous êtes en activité privée au niveau de votre lit là-bas avec madame, rassurez-vous que c'est elle qui doit d'abord décharger. Elle doit même décharger deux ou trois fois pour que vous déchargez une seule fois. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas la première fois. Parce que si vous commettez l'erreur de toujours tomber le premier comme un coq, vous allez vous vider, et vous mourrez vite. Et la femme ne fera que se remplir, se remplir, se remplir. Alors voilà pourquoi il est recommandé que seule femme initiée, homme initié doit épouser femme initiée. C'est dommage. C'est ça la vérité. Pourquoi suis-je allé loin là-bas? Donc pour vous dire quoi? Surveillez ces trois zones-là. Si vous ne pratiquez pas le yoga des chakras, mais surveillez là-bas. Parce que c'est ça qui tue l'homme. Regardez ce qui se passe dans les églises. On a trop d'hypocrites maintenant. Voyez-vous? C'est là-bas. On a des délinquants sexuels. On les voit. Ils fréquentent encore les religions. Que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme. C'est comment? Mais c'est ça qui tue l'homme. Hein? C'est ça qui vous tue. Et deuxièmement, votre cœur. Vous faites quoi? Pardonnez-moi. Vous faites foi? Vous faites quoi? Hein? Votre cœur. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter le cœur? D'écouter cette petite voix de Dieu qui vous parle? Est-ce que vous prenez vraiment le temps? Hein? C'est ça. Maintenant, dans votre tête, là, vous pensez quoi? Mais faites la technique de l'analyse et de la surveillance de la troisième forme de pensée. Parce que la première forme de pensée, c'est la vôtre. Vous pensez trop, vous êtes là toute la journée, hein, très jeune. Qui est? J'ai vu la femme du président, hein, et j'ai vu ceci. Oh, j'ai vu cette femme-là, madame la ministre, elle m'a dit ceci. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que va? Je pense. Vous rêvez déjà la voix. C'est ça. Ça, c'est la première forme de pensée. La deuxième forme de pensée, c'est celle qui vous visite. Mais il faut atteindre un bon niveau pour comprendre que mais cette pensée n'est pas la mienne. Moi, je n'ai jamais pensé à faire ceci. Pourquoi? Et c'est ça là qui tue beaucoup de gens. Les gens sont victimes de suicides et tout et tout et tout. Et la troisième forme de pensée, c'est la pensée qui fait partie de ma formule AB, c'est-à-dire aspiration, inspiration. A, vous, vous aspirez vers, vous allez vers les dieux, vers les ancêtres. Trois fois par jour, très tôt le matin même, 4-5 heures, activez le feu. Pensez à eux dans le silence, mettez le feu. Parce que c'est le grand élément qui les attire. À midi, 00 au zénith, boum, taisez-vous, calmez-vous, appelez, concentrez-vous. Et le soir, avant de vous coucher, faites la même chose. C'est ça qui active la troisième forme de pensée là. Et Dieu également intervient dans cette troisième forme de pensée. Vous êtes là et vous avez une inspiration. Moi, ce que je viens vous dire là, je n'ai pas lu dans un livre. Mais parce que j'ai d'abord médité et puis voilà. Et puis la somme de mes expériences. Voilà, en résumé, cette affaire de comment surveiller donc les trois organes là. Parce que si je parle des trois chakras, c'est ceux qui sont initiés dans les yoga Kundalini, Kundalini yoga. De comprendre que nos chakras, même si vous êtes dans le Bouddhi, les chakras sont toujours activés. Que vous soyez dans le boutique, que vous soyez dans n'importe quel milieu, rassurez-vous que ce sont les trois organes-là qui sont liés avec le premier chakra, le sexe. Le sexe, c'est là où il y a le premier chakra. Notre vie est liée au sexe. C'est clair. Le cœur, mais c'est le quatrième chakra, lequel nous permet de lire les pensées des gens. Mais s'il est trop embrouillé, et n'importe comment, et la science nous enseigne qu'un seul au centre. Et enfin, le troisième, comment dirais-je, le troisième chakra, qui est en réalité le sixième chakra que vous devez surveiller, c'est le chakra qui est au niveau de l'épiphyse. Ce sixième chakra-là, hein, qui est en fait tout le mental, tout ce qui est psychique. Et si vous les surveillez très bien, eh bien, voilà. Et c'est souvent là, la maintenance, j'ai donné la maintenance, c'est en appliquant les techniques que je vous ai dites. Et le septième chakra, naturellement, la glande pinéale, sera heureuse d'accueillir tout cela. Voilà ce que je tenais à partager avec vous, s'il vous plaît. Partagez au maximum et révisez. Si vous avez des questions, venez les poser dans les forums. C'est ça le but de mes forums, c'est de venir poser des questions sur les enseignements que je donne. Merci beaucoup. Que Tetamwanga vous bénisse. Portez-vous bien. Bon week-end.